Hey guys, ça récupérer la forme. Voilà, petite vidéo, alors vraiment viteuf. Vous voyez derrière là, le haut Languedoc. Ça change, je suis avec le bike. Je sais un peu pédaler, c'est vrai. Donc vite fait une petite vidéo pour vous remarquer que là je suis complètement, regardez bien, je suis complètement habillé en Van Riesel, c'est-à-dire en chez Decathlon quoi en fait. Donc le maillot, El cuissard et les pompes et les chaussures, tu vois. Alors, pas spécialement que je voulais changer de pompe, je voulais en fait avoir une tenue un peu d'été. J'ai fait un petit peu le tri dans mon armoire, c'est vrai que c'est un gros bordel. J'ai scampé déjà tous les cuissards que j'ai achetés, pas trop cher, chez AliExpress, mais bon, il y a quelques années, bien sûr, c'est mort, la peau est morte, donc j'ai escampé tout ça. Et donc du coup j'avais de la place, donc je me suis dit, je vais m'acheter, je vais me faire plaisir, acheter un bon petit ensemble pour cet été. Sauf que quand j'ai vu un petit peu les tarots, oh les mecs, vous êtes complètement fada, complètement barjo. Écoute, ça m'a déclenché une chiasse de l'Ardèche, tu vois. C'était pas possible, quand tu vois un peu haut de gamme, un petit peu chouette, tu vois. Minimum c'est 140 balles, chez Castelli, Santini ou quoi. Un maillot, allez, entre 90 et 110 euros, faut arrêter les conneries, quoi. Sans déconner. J'ai dit, ah, non, mes couilles, quoi. Tu tombes, tu déchires tout. Bon, faut pas penser à ça, mais bien entendu. Mais je dis, c'est négatif. J'adore tout le mémorial de passer, tu sais. D'accord? Donc voilà. Donc je me suis dit, pourquoi pas aller chez Decathlon? C'est vrai qu'ils ont sorti des nouvelles tenues. Eh bien, écoute, quand j'ai vu ce maillot, franchement, le maillot, ben écoute, nickel, c'est me fait penser, c'est même la matière, le confort d'un Santini, le Santini que j'ai du Grand Fondo, du Ventoux, ben c'est pareil, franchement, vraiment nickel. Le cuissard, j'avais un petit peu en a priori, tu vois, le cuissard, nickel, ah, je te jure, nickel, la peau est fantastique, hein. J'ai super. Et les chaussures, ah là, les pompes. Là, voilà. Là, les pompes, ça passe ou ça casse. Les chaussures, c'est un peu... Je pose mon cul un peu. Les chaussures, c'est un peu plus délicat. Donc, vous savez tout, j'ai des CD, donc un lot de gamme, à 350 balles à la paire, tu vois. Tu m'as compris. Et je voulais un petit peu changer, un petit peu tester celles-là. Ma femme me dit, prends-les, elles sont jolies, elles sont blanches et tout. Les gars, je suis mieux dans les Van Riesel que dans les CD. Tu le crois, toi? Elles sont bien aérées et tout. Semelle en carbone. Eh, regarde, regarde. Regarde-moi ça. Eh, les aérations, je sens le frais. Dans les CD, je ne sentais que dalle. Je ne sentais rien. Même pas, même pas une brise, tu vois. Rien du tout. Là, le petit air, je le sens dans la chaussette, comme on dit. Franchement, nickel. Pour 150 balles, paire de pompes. Et en plus, ça me tient mieux. Bizarrement. Moi, je dis... que quand, voilà, quand c'est pas bien, il faut le dire. Mais là, franchement, quand c'est bien, eh bien, il faut le dire. Donc, franchement, Decathlon, Van Riesel, bien. Chapeau, félicitations. Je suis bien dedans. Voilà, alors les gars, le cuissard, ça coûte 60 balles. Le haut, là, le maillot, 50 balles. C'est-à-dire que pour 110 euros, vous avez un ensemble. Qu'est-ce que tu veux de plus? Et avec une très bonne peau, tu vois. Voilà, donc les amis, j'irai que Decathlon, j'ai pas de com, j'ai que dalle, hein, j'ai rien du tout, hein, bien entendu. Ouh, ouais, même des petits litiges avec eux quand j'avais fait la vidéo sur le fameux Between à l'époque. Ça m'a vendu quand même pas mal. Les mecs m'ont écrit tout ça, donc j'étais un petit peu pas en colère. Bon, c'est bien fini, il n'y avait rien de méchant. Mais voilà, je suis pas ami avec eux, quoi. Attends, je vais éternuer. Je vais te sortir un truc là. Oh, un petit peu l'allergie, tu vois là. Donc voilà les amis, donc vous pouvez y aller tranquille, franchement. Alors attention, ça taille petit quand même, hein. Donc là, moi le haut, c'est une taille S, hein, tu vois. Bon, moi j'ai mis quand c'est cintré quand même, hein, ça taille S, donc voilà, ça taille vraiment en taille, les amis. Si vous avez l'habitude de mettre du Santini, ça taille pareil. Donc voilà, donc en haut, moi je suis en S là, en bas par contre je suis en M. Donc, vous voyez un peu, voilà.
Voilà, Santini, je suis un M en haut et M en bas. M partout, tandis que là, je suis un S en haut et M en bas. Ok les potos, bon allez, bis à tous, ciao ciao, et bientôt, la vidéo du... Et de lui là, lui. Ouais, j'attends de faire beaucoup de kilomètres, vous attendez tous, ne vous inquiétez pas, je pense que semaine prochaine, elle est là. Allez, bisous à tous, ciao ciao, et que le cul te pèle. Allez, peace. Au revoir.